Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lordoux Associés. Faisons le point en 10 étapes sur la réforme de la haute fonction publique de l'État telle qu'elle apparaît en cet été 2022. On a en premier lieu l'article 59 de la loi du 6 août 2019, le rapport Basser, les annonces en 2021 faites par le président de la République sur la suppression de la réforme de l'ENA et le décret important du 1er décembre 2021. Ce que le grand public a retenu, c'est que l'ENA a été remplacée par l'INSP, certes, dans un domaine où le modèle français diffère largement de celui de ses voisins, certes, mais ce train de réforme en cachait un autre, dépassant de très loin le cadre de la seule ENA, avec l'ordonnance du 2 juin 2021 et le décret du 22 septembre 2021 en fer de lance de cette réforme. Cette ordonnance, prise sur l'habilitation, article 38 de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, a été attaquée par de nombreux syndicats de la haute fonction publique et la première bataille juridictionnelle fut une QPC transmise au Conseil constitutionnel, surtout sur les aspects d'adaptation de ce régime aux juridictions administratives, générales ou financières. Par une décision du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a rejeté cette QPC, j'avais fait à l'époque une vidéo à ce propos que vous pouvez regarder. Cette réforme est donc plus large, avec les principes de réforme suivants. Et là, les formulations que je vais reprendre sont celles du gouvernement lors de la sortie de ces textes. Je cite « La prise de risque doit être valorisée dans le cadre du statut de la fonction publique. 1. 2. La diversité des expériences acquises doit constituer la principale condition d'accès aux fonctions supérieures. À cette fin, les missions opérationnelles seront privilégiées pour les premiers emplois plutôt que les fonctions juridictionnelles de contrôle ou d'inspection. » Mais bon, c'était un petit peu desserré ensuite, mieux sorti. Les dernières fournées de l'ENA auront quand même accès à certains de ces postes et ça a même été desserré au printemps été 2022. Je continue mes citations. « La qualité des pratiques professionnelles doit être le principal élément d'appréciation permettant aux employeurs, public bien sûr, de confier des responsabilités nommées aux emplois de direction de l'État. Plus fort encore, les membres des conseils d'État et des juridictions financières et des TACA et CRC se verront, je cite, appliquer les mêmes principes de mobilité, d'ouverture et d'évaluation. En clair, il n'y aura pas une carrière intégrale dans ces fonctions juridictionnelles. Il ne sera même plus possible d'accéder au grade supérieur sans avoir accompli des mobilités, est-il écrit. La réforme finale ayant quand même pris en compte certaines spécificités pour des évidentes garanties d'indépendance et de neutralité, lesquelles ont été considérées comme insuffisantes par les syndicats ou associations professionnelles de ces juges ou magistrats. Membres du conseil d'État ne s'estimant pas être des magistrats, ceci explique la distinction. Il y a un lien dans cette réforme avec les principes du programme, je cite, « talent du service public », intégré d'ailleurs dans les actions de l'INSP. Les principes de l'INSP sont les suivants. Il y a un tronc commun, il n'y a pas de fusion de l'intégralité des écoles ENA, devenues INSP, INET, ENM, HSP, ENET3S, ENSP, ENAP, etc., AgroParisTech et autres, mais avec des troncs communs. Une valorisation de la formation continue et une analogie en fait un petit peu de ce qu'est pour l'armée l'école de guerre dans une deuxième phase de carrière pour les plus prometteurs. Le principe du classement de sortie ne serait finalement pas remis en cause à court terme, en tout cas il ne l'a pas été sur 2022, mais présenté comme un modèle à dépasser à terme. Bref, c'est encore un peu flou sur ce point. Les élèves qui sortent de l'INSP sont supposés être sur des postes opérationnels, à quelques exceptions près, je l'ai évoqué, avec du coup des annonces aussi sur le fait qu'on aurait plus de postes à ouvrir à l'avenir sur la sortie INSP pour les services déconcentrés de l'État et quelques types d'administration centrale. Le délai de présence en poste opérationnel sur le terrain reste quand même relativement flou encore aujourd'hui. Évidemment, qui dit réforme dit bah oui, mais ensuite pour la carrière. Et c'est là qu'on commence à entrer encore plus en réalité dans le dur. Car il a été souhaité par le gouvernement, pour faciliter la mobilité entre corps, fusionner ces différents corps dans le statut particulier d'un nouveau corps qui est celui des administrateurs de l'État, avec un décret du 1er décembre et un autre du 13 décembre pour la partie échelonnement indiciaire et autres, avec des solutions transitoires. Donc on est vraiment sur du groupir. Voilà. Cette fusion, évidemment, a suscité de très nombreuses oppositions et qu'il serait trop facile et caricatural de limiter aux réactions corporatistes. Par exemple, les hauts cadres du Quai d'Orsay ont signalé que leur situation était quand même un peu particulière, ce à quoi les représentants du gouvernement ont dit « bah, c'est pas parce que vous serez dans un grand corps qu'on va vous faire autre chose quand même que ce que vous savez faire, à savoir la diplomatie ». Oui, mais comme justement on valorise la mobilité, bon, à suivre, et puis risque de copinage accru ou moins accru, c'est très débattu. Du coup,
un corps unique et du coup une sorte de grande DRH unique, qui est donc la nouvelle dièse, combinée avec des délégués ministériels. Là, c'est encore un autre décret qui est celui du 24 décembre 2021. Sur tout ce qui va suivre d'ailleurs, je vais aller beaucoup plus vite que tout ce que j'ai écrit. N'hésitez pas à mettre sur pause votre lecteur vidéo pour avoir la possibilité de regarder ceux de ces régimes qui vous concernent spécifiquement le cas échéant. Cette dièse est placée directement auprès du Premier ministre, ce qui évidemment renforce son poids, avec un rôle de définition, coordination et d'animation de la politique de GRH pour l'encadrement supérieur de l'État et la participation à une gestion des GRH individualisée de certains de ses personnels. Et puis là, directement la tutelle de l'INSP qui sort du giron du coup de la DGAFP. Chaque département ministériel aura lui aussi son DRH, un délégué ministériel à l'encadrement supérieur, donc DRH du A+, chargé de coordonner et de mettre en œuvre cette politique dans le cadre de la politique interministérielle fixée par la dièse. Et on voit tout de suite le lien avec les futures lignes interministérielles directrices de gestion. Et puis, et créer un comité de pilotage stratégique de cet encadrement supérieur de l'État. Donc une réorganisation GRH-DRH très costaud et haut placé. Après, il y a eu une mise en œuvre statut par statut, commençant par le nouveau futur statut qui est celui des corps des administrateurs de l'État, avec une fusion-suppression annoncée d'un certain nombre de grands corps, y compris les inspections générales, qui, à un moment donné, avaient cru qu'elles seraient épargnées. Avec les articles 13 et suivants du décret du 1er décembre 2021, qui sont la matrice de toutes les réformes qui ont eu lieu ensuite, avec une mise en extinction, avec intégration à terme, d'un grand nombre de ces corps, et la possibilité pour les personnes concernées d'entrer dans le nouveau régime, de rester dans les anciens. Peu comme quand on avait éteint bien d'autres corps, on peut penser par exemple aux instituteurs quand on a créé les professeurs des écoles, mais il y a eu bien d'autres cas de ce type-là. Selon la source Acteurs Publics, 2917 personnes étaient concernées par ce régime de droit d'option. Il y a eu ensuite un décret du 9 mars 2022 dans le cas particulier et ô combien complexe des services d'inspection générale ou de contrôle et évidemment des emplois au sein de ces services. Cette réforme s'est faite dans une logique qui a confirmé l'idée d'une présence temporaire dans ses fonctions, on peut plus dire ses corps, dans ses missions, et quand même des garanties communes d'indépendance, considérées par certains acteurs comme tout à fait suffisantes et par d'autres comme tout à fait insuffisantes. Voici ici quelques détails sur tout ceci. N'hésitez pas à mettre en pause. Et puis, évidemment, l'étape suivante est passée au préfet et sous-préfet, quelques jours après, par un décret du 6 avril 2022. Là, on n'avait pas tout à fait les mêmes problématiques. Juste avant, sur les corps d'inspection et de contrôle, on avait des problèmes de garantie d'indépendance. Là, on a un texte quand même qui est l'article 112 de la Constitution qui fixe des missions à ses agents. Dans le cadre de cette réforme, on a donc distingué ces préfets et sous-préfets ne sont plus liés à un corps qui est la préfectorale, mais en revanche, ces fonctions restent bien évidemment, quoique donc décloisonnées entre guillemets, avec ces garanties et ces rôles, ces missions constitutionnelles. On a des spécificités qui ont été débattues dans le cas de l'arrêt récent du Conseil d'État de juillet 2022, dont nous reparlerons, mais voici des détails, je vous laisse là aussi mettre sur pause au besoin. Plus débattu encore a été le cas des diplomates. Donc cette réforme n'est pas un petit sujet et cela touche donc deux corps, les conseillers des affaires étrangères et les ministres plénipotentiaires, avec les arguments que j'ai essayé de résumer pour ou contre que voici. Je ne me prononce évidemment pas à titre personnel là, ni pour ni contre, j'ai essayé de résumer les arguments que l'on retrouve dans l'espace public. Toujours est-il qu'a été publié le décret 2022-561 du 16 avril 2022. Là aussi, avec l'argument pour certains de dire on fait perdre nos spécificités et un professionnalisme qui est bien particulier, et d'autres qui disent non, si la dièse DRH sait bien faire son boulot, évidemment qu'elle ne fera pas faire à un diplomate une mission qui serait très éloignée de son métier. Oui, mais toute l'idée de cette réforme était quand même de favoriser la transversalité. À suivre. Voici là aussi quelques détails, mais qui n'en sont pas pour les intéresser, sur cette réforme. Cette réforme, fait presque inédit, a donné lieu à une grève. Et à des joutes et des travaux parlementaires, ça c'est moins inédit, voire par exemple à un rapport sénatorial très critique. Enfin, les rapports sénatoriaux sont souvent assez critiques par les temps qui courent. Bercy vint ensuite, avec un décret du 25 avril 2022. Là aussi, situation relativement complexe et une nécessaire prise en compte parallèle de l'évolution du contrôle général économique et financier.
Ça a été fait. Alors, j'ai passé un petit peu de temps à décortiquer tout ça. Donc, j'ai essayé de résumer le plus que je pouvais. Voici, là aussi, ce que j'ai à en dire. Mais ça prendrait une très longue vidéo que de décortiquer tout ceci. Neuvième étape. Le Conseil d'État a eu à connaître des très nombreux recours qui ont été faits contre l'ordonnance du 2 juin 2021. Et le 19 juillet 2022, à un infime détail près, le Conseil d'État a validé cette réforme et donc cette ordonnance. Là aussi, je vais passer beaucoup plus vite à l'oral que ce que je vous ai écrit. N'hésitez pas à mettre sur pause. Premier élément, la Haute Assemblée commence par tenter de démêler l'écheveau redoutable des textes relatifs aux inspections générales, article 6 de l'ordonnance. Alors, si vous voulez, prenez un café, un cachet d'aspirine et regardez ce qui est écrit ici. C'est, comment dire, un magnifique écheveau. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Mais bon, du coup, on ferme le banc. Deuxième question. Bah oui, mais l'ordonnance, on a passé les périodes de transposition sans validation législative. Et puis avec les problèmes de majorité nationale que nous connaissons, effectivement, la question n'est pas mince. Oui, mais, je vous rappelle qu'il y a toute une série de jurisprudences que je vous ai mises ici qui ont résolu la question d'une manière très pragmatique, au détriment peut-être de la lettre même de nos textes constitutionnels, mais passons. Ensuite, les moyens de légalité externe ont été balayés. Bon, pas de contre-saint du garde des Sceaux, d'accord. Il n'y a pas d'incompétence en ce que l'ordonnance aurait changé des noms dont certains se retrouvent par ailleurs dans le texte à modifier par loi organique. Le texte final ne différait pas assez de celui qui avait été soumis pour avis au Conseil d'État pour qu'il y ait un vice, puisque là, si on est sur des jurisprudences constantes, si ce sont des infimes détails, ou surtout il s'agit de prendre en compte ce qu'a dit le Conseil d'État, on n'est pas obligé de repasser une seconde fois. Alors, le Conseil d'État réaffirme que nulle étude d'impact n'était requise pour ces projets d'ordonnance, et on est sur là quelque chose un peu encore débattu. Bon. Plus intéressant, à mon sens, sont les développements en ce qui concerne la légalité interne. Mais je vous ai mis tous les détails ici, n'hésitez pas à mettre sur pause, mais ça nous prendra un temps absolument fou pour lire tout ceci. On va retenir que, bon prince, le juge a noté qu'il y avait, comme cela a été évoqué par les auteurs des recours bien sûr, une petite bug dans la formulation relative au collège de déontologie de la juridiction administrative. Mais bon, bah, le Conseil d'État a fait une sorte de réserve d'interprétation qui donnera lieu d'ailleurs à une publication JO par décision du Conseil. Et puis le juge a dit que bon, pour tout ce qui est des principes d'indépendance, d'impartialité, toutes les règles notamment concernant les juridictions administratives, générales ou financières, n'étaient pas méconnues par ce qui était dans le texte, ce qui était très discuté. En audience publique, le rapporteur public avait conclu à la censure de certaines dispositions à l'article 10 de l'ordonnance pour des dérogations au statut général, lorsqu'il s'agissait notamment de la préfectorale. Sur ce point, la Haute Assemblée n'a pas suivi les conclusions de son rapporteur public. Bon, pour des raisons qui, moi, me convainquent, mais on pourrait en débattre, bien évidemment. Reste que cette réforme, quoique validée pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel, puis maintenant par le Conseil d'État, pour les plus gros de ces textes, il y a encore quelques batailles qui vont arriver, cette réforme reste inachevée et incertaine. D'abord, dans sa pertinence même, évidemment, le débat fait encore rage entre les défenseurs et les opposants au principe même de cette réforme. Ok, certes. Mais d'un strict point de vue plus technique, on a encore sur la mandature actuelle à attendre de savoir ce qui va se passer quant à la réforme des épreuves de concours, ce qui n'est pas un petit sujet. Quid de la spécialisation des élèves durant la scolarité et de la réalité de ce tronc commun? Et puis le classement. Est-ce qu'on va vers une fin du classement, une relativisation, une réforme en tout cas du classement très probablement, toujours dans la logique de ne pas écraser ceux qui ne sont pas dans la botte, mais d'avoir une pépinière, de spécialiser les gens et de laisser des gens avoir une deuxième chance au fil aussi de leurs premières armes. Ok, le gouvernement a un peu assoupli sa position pour ne pas décourager les meilleurs des élèves qui espèrent ensuite être dans ce qui était autrefois les grands corps. Et donc ça a été un peu assoupli, y compris là pour 2022. Est-ce que ça va demeurer ou pas? C'est un peu contraire à la réforme, mais en même temps on comprend qu'il ne s'agisse pas non plus de dissuader les plus brillants de nos élèves. À voir. Quid de la mise en œuvre de cette GRH concrètement au fil des années qui viennent? Et puis, que va-t-on mettre en ces domaines en pratique? À commencer par la question des lignes directrices de gestion interministérielles, pour lesquelles d'ailleurs, voir un décret du 29 mars 2022 et un arrêt intéressant du Conseil d'État du 5 juillet. Donc, cette réforme a pour l'essentiel été conduite à une grande partie de son terme, mais les points qui restent à accomplir sont loin d'être négligeables, donc à suivre pour d'autres vidéos, d'autres textes aux journaux officiels et surtout dans notre pratique à tous au quotidien. À bientôt, merci, au revoir.